Good morgen, allez, Iden les tutres aujourd'hui, le Lishma, le Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Shlomo Binyamin ben Mazal, ainsi que l'Irfouat, Sarah ben Beti Rivka, Rafael Zbulun ben Chayam Aliya, Myriam bat Chassida Dov ben Yehudit ben Tor Shachro Israël. Si vous souhaitez vous aussi déjà la prochaine étude de Mishnah, contactez le 5e Mit Eternel, nous étudions la Sechet Rolin, Peri Dalet Mishnah, Hey, Ashochet Tabehema ou Matzaba ben Shmona Chay Omet, ou ben Tisha Met, Koro, ומוציא את דמו. מצא בן תשעה חי, טעון שחיטה. וחייב באותו ואת בנו, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, שחיטת אמו מטהרתו. רבי שמעון שזורי אומר, אפילו בן שמונה שנים וחורש בשדה, שחיטת אמו מטהרתו. קראה, ומצא בה בן תשעה חי, טעון שחיטה, לפי שלא נשחטה אמו. On commence à traduire directement « Shochet et abema », celui qui fait la shrita, qui abat un animal, comme il se doit, une mère, une vache. « Umatzaba ben shmona chay » et il a trouvé dans ses entrailles un veau de 8 mois de grossesse, qui n'était pas encore bien mûr pour sortir, ou encore « chay omet » qu'il était vivant ou qu'il était mort, ou encore « o ben tisha met » ou encore un veau qui avait atteint les 9 mois, mais qui était déjà mort. Alors la Mishnah m'enseigne, « Koro ou motzi et damo ». Eh bien, il faudra juste qu'il le déchire, qu'il l'ouvre, quoi, pour lui faire sortir son sang. Tandis que « Matza ben tish achay », s'il a trouvé un veau de 9 mois, alors « Taun shrita », il faudra lui faire la shrita, et on expliquera ensuite cette deuxième partie. Je vais juste toucher à cette phrase, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Tout d'abord, depuis le début du Pérec, on a appris quelque chose d'important, que lorsque je fais la shrita d'un animal, et que je trouve dans ses entrailles un petit, d'accord, donc j'ai le droit de manger le petit. D'accord. Premièrement, c'est l'élément de base. La Mishnah ne le précise même pas tellement que c'est évident. Là, dans notre Mishnah, on va entrer dans des complications, qui vont être, d'une part, qu'est-ce que je peux manger de ce petit fœtus, de cet embryon, de ce fœtus, qu'est-ce que j'ai le droit de manger? Et aussi, quel âge il a? Et après, on va même parler aussi, qu'est-ce qui se passe s'il est vivant et il continue à vivre, il passe 7-8 ans, et puis après, est-ce que j'ai le droit de le manger ou pas? D'accord? Donc on commence avec d'abord le premier sujet. La Mishnah est entrée dans les complications de préciser qu'il avait 8 mois pour en fait différencier une chose. C'est justement ce qu'on a commencé à voir, c'est que s'il avait 9 mois et qu'il était viable, il était vivant, alors il y aurait une halakha particulière pour Rabbi Meir. Mais en réalité, à part ce cas particulier de 9 mois, qui est mûr, à point, prêt à sortir, eh bien, tous les autres fœtus qu'on pourrait trouver seront toujours permis à la consommation, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. D'accord? C'est l'élément de base. Donc, maintenant, je déblaye un petit peu, parce que la Mishnah, elle est rentrée dans plein de complications, mais en fait, pour nous dire quelque chose de très simple, avec une exception. Avec, maintenant, une deuxième précision qu'ils disent dans la Mishnah, c'est l'histoire de Koro ou Motsiet Damo. Il devra le déchirer pour lui faire sortir son sang. C'est-à-dire, vous savez bien que dans les animaux, permis à la consommation, une vache par exemple, alors il y a deux choses qui sont interdites. Son sang et ses graisses interdites qui étaient offertes au Beit Hamikdash, initialement sur le Mizbeach. Kol Chalev Vedam Lotochelu. Les graisses interdites et le sang. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la Melicha. On sale la viande avant de la manger. Aujourd'hui, on fait plus la viande. Quand j'étais petit, je me rappelle, on le faisait encore. Chez nous, on avait la viande fraîche en France, en fait. Donc on le faisait encore à la maison. Ça s'est un peu perdu au fil du temps depuis qu'on avait la viande surgelée, pour des raisons lucratives. Et en tout cas, aujourd'hui, on fait encore la melicha. On sale la viande pour faire sortir le sang. Ou bien, avec le foie, on essaie bien. On fait jamais le foie, il faut nécessairement le faire cuire, parce qu'on ne peut pas le cacheriser avec le sel. On découvrira tous ces sujets-là, d'ailleurs, dans Maseret Rolin plus tard. D'accord? Maintenant, nous, notre but pour le moment de notre Mishnah, c'est de nous dire, t'as trouvé un fœtus, t'as le droit de le manger. T'as le droit de manger tout ce qu'il y a dedans, même les graisses interdites, même le sang. Eh bien, la Mishnah m'enseigne, sache que le sang, t'as pas le droit de le boire, il faudra lui faire la cachérisation, donc le déchirer, lui faire la kriya, les korea autour, avant de le faire griller. Tandis que les graisses interdites, eh bien, elles seront permises dans le veau. Pour la simple raison que le veau, qui est à l'intérieur, eh bien, le petit veau, pour le moment, qui est à l'intérieur, tant qu'il n'était pas encore à point, prêt à sortir, pour le moment, on parle de ça, qu'il avait 8 mois, par exemple, ou bien qu'il avait 9 mois, mais qu'il était déjà mort, eh bien, c'est un bout de viande de la mère. Autant que la mère, elle a un cœur, elle a des poumons, elle a
d'un estomac, des reins, et ben là même aussi un fœtus dans le ventre. Mais c'est un membre de la mère. Donc la membre de la mère, on sent, c'est pas du gras, des graisses interdites, d'accord? C'est le principe de la Mishnah, pour me dire ça. La déduction de ces détails-là, c'est le long barthénois que vous pouvez lire, c'est assez complexe et on va pas le faire, d'accord? Si vous voulez vous casser la tête, lisez, traduisez, essayez de comprendre. C'est un peu délicat, c'est un peu subtil comme style de déduction, ça touche au corban note et c'est trop compliqué. Ok, donc on reprend maintenant le cours de notre Mishnah. Donc il y a maintenant le sang, il est interdit, les graisses elles sont permises. On a parlé qu'il s'agisse d'un veau qui avait 8 mois, mais moins bien évidemment, qui était vivant, qui était mort, ou un veau de 9 mois, mais mourant. Tandis que si c'est un matzah ben tish achai, s'il a trouvé un veau qui avait 9 mois et qui était encore vivant, il était sur le point de sortir, on aurait laissé la mère dans 5 heures, dans 2 jours même, je pense. Ça n'a pas été précisé qu'il faut 9 mois et kalulu chodashav. J'imagine que oui. Kalulu chodashav, le chodashav, c'est-à-dire que ces mois ont été complétés. Ça n'a pas été précisé dans le Barthénois ni dans le Tosafot Tov. Eh bien, donc en tout cas, on t'a trouvé un moins un veau de 9 mois. Rabbi Meir nous dit, ah non, 9 mois, il était sur le point de sortir, il a un statut de veau indépendant de sa mère, donc il a un statut de veau. Et ça nous implique Taoun Shrita, il ne sera permis la consommation que si tu lui fais la Shrita, premièrement, et deuxièmement, Vechayav Beoto Ved Beno, et il y aura en lui un interdit de Oto Ved Beno, lui et son fils. De quoi on parle Oto Ved Beno? C'est simple, c'est un interdit de la Torah qu'on va étudier dans le prochain Perek. Perek, hey, regardez, il s'appelle Oto Ved Beno. Il y a une mythe, Veshor Ose, Oto Ved Beno, le Tishratou Biomechad. Il y a un pasouk dans Vaikra, je pense que c'est dans Parashat Kedoshim, je pense. Où là-bas, il y a marqué Veshor Ose, Oto Ved Beno, le Tishratou Biomechad, Bayom Ayurechel. C'est la même créa qu'on lit dans les jours de fête à Yom Tov. Shor Chesevoez, qui valide. Vaïash, Yatim et Khatimo. Je crois que c'est dans cette partie-là, marqué Veshor Ose, Oto Ved Beno, le Tishratou Biomechad. Un taureau, un mouton, lui et son fils, vous ne les égorgerez pas un même jour, le même jour, dans une même journée. On n'a pas le droit d'égorger dans une même journée les parents et la mère. Le taureau et le fils, ou la vache et le fils. D'accord? Bien, la Mishnah maintenant vient, Rabbi Meir vient m'enseigne. Il me dit, tu sais, ce veau de 9 mois qui était sur le point de sortir, il est devenu indépendant totalement. Il a un statut de veau. Tu dois l'égorger en faisant la shrita. Et tu dois veiller à ne pas l'égorger le même jour que tu vas égorger la mère. Aussi bien que s'il était né. Parce qu'il est à point. D'accord? Divrei Rabbi Meir. T'as la vue de Rabbi Meir. Tandis que Vachachamim omrim, non. Shrita timo metaharatu. Selon Chachamim, Chachamim dit non. Même s'il a 9 mois qu'il était à point, rien du tout. La shrita, l'abattage de la mère metaharatu, va le purifier, c'est-à-dire le permettre même à la consommation. Et il faut tout de suite continuer la suite de la Mishnah pour ensuite différencier qu'est-ce qu'on dit Rabbi Meir par rapport à Rabbi Shimon Chezouri. Rabbi Shimon Chezouri Omer, tandis que Rabbi Shimon Chezouri nous enseigne, il dit Afilu ben shmona shanim vechoresh basade, même s'il aura ensuite 8 ans et qu'il sera en train de labourer dans les champs et de gambader, eh bien, shrita timo metaharatu, malgré tout, la shrita de sa mère va le permettre à lui. On explique d'abord Rabbi Shimon Chezouri, après on revient sur Chachamim. Rabbi Shimon Chezouri te dit, tu sais quoi? La shrita de la mère, l'abattage de la mère a tellement permis le veau que même si le veau depuis, tu l'as élevé et tu l'as donné, tu l'as nourri, tu as joué avec lui, après tu l'as même éduqué à tirer la charrue, et il a déjà 8 ans, 9 ans, et un jour tu as envie de le manger, tu prends, tu mets un coup de marteau sur la tête et tu le manges. La shrita de la mère va le permettre. Vous avez compris? Alors maintenant on revient sur Chachamim. Chachamim, eux, puisque la Chachamim n'ont pas précisé, Chachamim ont dit que la shrita de la mère le permet, mais ils n'ont rien précisé. L'agma, elle explique, ça va faire dans le Barthénois, dans le livre en matril, Rabbi Shimon Chezouri, les divrei Chachamim, kevan she'alach al gabe karka taun shrita, midei rabbanan. D'après Chachamim, en théorie, selon la Torah, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon Chezouri, même s'il a 8 ans, 10 ans, il est en train de gambader, malgré tout, il a déjà eu la shrita, il est vivant, il a une shrita qui l'a permis. C'est original. Mais malgré tout, il est permis à la consommation, mais en fait. Cependant, Chachamim ont fait un décret. Ça va être de la folie. Les gens vont voir que tu assommes un taureau et que tu le manges comme ça. On ne va pas permettre ça. On va mettre une limite bien nette. Si, depuis que tu as ouvert les entrailles de la mer, tu as vu ce veau, si ce veau, il a déjà commencé à marcher par terre, c'est fini.
Midérabanan, il faudra lui faire une shrita pour le permettre. Si tu ne lui fais pas la shrita, tu ne le permettras pas. Rabbi Shimon sourit, on dit, me dit qu'il n'y a pas de décret de Rabbanan, aucun problème. Même s'il gambade dans les champs, eh bien, tu pourras malgré tout le manger. Le manger avec un coup de marteau sur la tête. Kra'a umatsa ba ben tish'achai. Maintenant, nouvelle situation, c'est qu'on n'a pas fait la shrita à la mer, mais qu'on a déchiqueté la mer. On est ouvert le vent, on l'a tué, voilà. Peu importe. On l'a tué, un coup de marteau, ça peut même dans les abattages des goïms. Ouais, ils tuent les animaux aujourd'hui avec le coup de marteau sur la fontanelle, je sais plus exactement quoi, il y a un coup de marteau à pression. Ils l'ont tué, ils ont ouvert le ventre, ils ont écarté un petit veau. Il y avait le juif à côté, il a dit tiens, prends-le. Est-ce que le juif a le droit de le manger ou bien est-ce qu'on va dire non? S'il est considéré, il est considéré comme la mère, donc la mère n'a pas été abattue. Ben la méchante pensait non, il a une chance au tirage, comment c'était? Une chance au tirage, au grattage, une chance au tirage. Une chance quand on a égorgé, on peut devenir cachère par la mère, et si au pire ça n'a pas marché avec la shrita de la mère, eh bien lui aussi, il a une vie indépendante, et tu pourras lui faire la shrita à lui. Kra'a umatsa ba ben tish'achai, s'il a déchiqueté la mère et qu'il a vu à l'intérieur qu'il y avait un ben tish'achai, il y avait un veau de 9 mois vivant, eh bien la Mishnah m'enseigne tant une shrita. Il requiert qu'on lui fasse la shrita pour le manger. Les filles chez l'oni shrita imo, cette fois-ci, parce que la mère n'aura pas, elle, subi de shrita, donc la shrita de la mère ne va pas permettre ce veau. Mais, malgré tout, on ne va pas le rendre interdit, on pourra aussi le manger. Lorsqu'il grandira, on le fera la shrita, et il sera même permis à la consommation. Et c'est tout pour juge, c'est une journée pleine d'Hatzlacha, comme tout, c'est là.